Premier épisode sans Mitch Marner, c'est terminé. Pour le jeune Marner avec les Maple Leafs de Toronto, c'est maintenant l'heure de Johnston, Thomas Hurley et Dennis Hildeby. La fin de la présaison est terminée. On a fait du gros ménage, des grosses trades. Maintenant, c'est l'heure. C'est l'heure de voir si nos transactions, parce que je vous inclus là-dedans, si nos transactions ont fonctionné ou si on s'est complètement manqué. La présaison a été Splendide et on a eu de belles découvertes dans cette pré-saison-là qu'on va regarder à l'instant, tout juste avant d'aller voir vos commentaires. Je veux qu'on prenne quand même le temps d'aller voir les lignes, de se faire une idée, d'aller voir ce que vous en pensez et de poursuivre avec le début de cette deuxième saison à la barre des Maple Leafs et on a des attentes assez élevées. Wyatt Johnston, on est allé chercher à 87 overall. Il est rendu à 89 overall, le jeune Johnston. On lui donne la chance sur le premier trio avec Matthews et Matthew Nice. Robertson avec Tavares et Nealander. Ça a tellement été solide, ce trio-là en série, que je me dis qu'on n'a pas le choix de leur redonner une autre chance. Andrew Magiapani avec Fraser Minton et Easton Cowan. Est-ce que selon vous, et on va le voir un peu plus tard, est-ce que les jeunes ont assez donné pour déjà craquer le roster des Maple Leafs en 2025? Est-ce n'a pas joué dans la Ligue nationale ou dans l'équipe High Chill à date, euh, tandis que Fraser Minton a joué l'an passé euh, chez les Marlies avec 45 points en 71 matchs plus 4? Est-ce que Minton est prêt? Est-ce que Carwin est prêt? J'ai de voir. Moi, je pense que Minton est prêt. Mais je ne pense pas que Easton Cowen est tout à fait prêt. Faxa, Kapanen et Raphaël Harvey Pinard sont le quatrième trio. On le préfère à Dvenberg et à Clem Kostin. Dvenberg va sûrement aller en bas, même s'il a laissé une belle carte de visite. Défensivement, Arlie avec Morgan Riley, Jake McCabe, Yoki Arju, ni et Nimela. Je pense que Aram Minetien. Je pense qu'il l'a quand même bien fait à ses trois matchs. Euh, trois matchs plus un, 15 minutes. Je pense que c'est peut-être un peu mieux que Goulayev qui en manque un peu. Et Goulaev n'a pas nécessairement été à la hauteur de, des présaisons qu'il avait connues anciennement. Si on regarde ses stats de présaison, une passe plus un, six tirs. Ça a pas, tu sais, c'était comme. C'était pas parfait. 5 tirs bloqués, 7 pas de mise en échec. Je pense qu'il peut encore aller jouer euh, peut-être une dernière saison en bas avant de faire le saut dans la Ligue nationale. Et dans les filets, John Gibson n'a pas été très bon. Je m'attendais à. Il est enfin sorti d'Anaheim. Il joue pour son équipe. Et non. Dennis Hildebaye a été tout simplement incroyable. 5 matchs de pré-saison, 4 victoires, 1 défaite, 9,37 de pourcentage. Honnêtement. Il ne m'a pas laissé le choix de le starter. J'ai hâte de voir vos commentaires. Je les ai déjà lus un petit peu et j'ai franchement l'impression qu'on est sur la même longueur d'onde. Donc, allons voir les commentaires. Ensuite de ça, on décide ce qu'on fait pour le reste de l'équipe et on part pour le premier match de cette nouvelle saison sans Mitch Marner. Évidemment, un énorme merci à David pour encore une fois un soutien tout simplement incroyable. Il monte. 7e rang dans la liste des donations pour les abonnés de la chaîne. 7 rang, Jonathan Senez, il est loin devant, mais je pense pas que David pourra peut-être éventuellement le dépasser. Merci énormément à David pour le soutien qu'il offre à la chaîne. Justin Ferland, qui comme moi voit Dallas finir... Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Arrêtez de me lancer des mauvais sorts ça n'a pas de si bon sens. Hilde complètement gardien numéro 1. Presque les neuf qui, on a... Les boys, les 9000 abonnés sur la chaîne, incroyable, un chiffre insane. On est en course pour les 10 000. J'espère y arriver le plus rapidement possible. Mais déjà en 9000, vous êtes une communauté incroyable. Tanev, pas moyen de faire le début de saison, sa galerie de presse, comme dans la vraie nature. Je suis complètement d'accord avec toi. Euh, il faut un vétéran avec Nimela à gauche, comme Savard avec Hudson. Envoie Ménétienne en bas et soit Montanev ou Trade Addison pour un vétéran gauche Gaucher robuste. C'est pas mauvais, Matlev. C'est vraiment pas une mauvaise idée. Par contre, je veux vraiment voir. On est en année un petit peu de restructuration. Je veux voir ce que le jeune mini 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 Minitian mini peut faire. Très hors de jeu contre Dallas aussi. Neilander avec Matthews. Non. Je veux vraiment séparer les deux trios. Euh, bye, Bonne idée avec Tanev, mais je pense que tu peux pas le descendre à HL. J'ai hâte de voir. Euh, très hâte de voir s'il va accepter finalement de lever sa clause aussi. Kapanen sur le troisième trio, j'ai hâte de voir. Minton au centre de la quatrième avec du temps d'avantage numérique. Goulayev en bas et Hildebay partant pour le début de l'année. Hildebay, euh, <laughs> décal, laisse-moi -e Gibson en Europe. Non, fait jouer Pinard, excellent. Uh, Ildebay Vizna, Ildebay numéro 1, fait jouer Raphaël Harvey-Pinard, Ildebay pour visna, Cowen en bas et uh, premier commentaire, good job. Donc, j'ai évidemment lu tous vos commentaires et je pense qu'on est sur la même longueur d'onde. Ok, oh, ok, bon, je pense qu'on est à la même place. Je pense que Easton Cowan peut peut-être et doit peut-être profiter de temps en bas. Donc Gulaev, Vanberg et Cowan. Merci les boys. Vous avez été incroyables. Maintenant, c'est le temps de dominer avec les Marlies. Et défensivement, moi, moi aussi je pensais que Tanev ne pouvait pas, mais c'est un No Movement Clause. Moi aussi, je suis surpris que Tanev... On avait pu, pu l'envoyer en bas, mais je pense que c'est une meilleure idée de l'envoyer en haut. Il va falloir que j'aille signer des, des, des joueurs à HL aussi. Et défensivement, dans la Ligue nationale, je vais commencer avec Minetien. Et si vraiment Minetien est dégueulasse, là, j'irai peut-être avec un euh, Tanev. Mais pour l'instant, pour l'instant, je veux passer un message à Tanev que s'il veut jouer du hockey, il va devoir aller jouer du hockey ailleurs et lever sa clause. Um, L'an passé plus 12 C'est pas un mauvais défenseur Mais je suis pas en mode gagner maintenant Et Tanev me fait un petit peu chier um, Nylander à droite Ça c'est correct Dans l'équipe HL, on a Reeves, Venberg et Voigt Ça c'est good À gauche Robertson, Neisman, nice Japani, Klimkasten, Harvey, Pinar pacheridi Vajemo Fajemo Denesenko, Irvonen en bas, ça c'est good. Et au centre, Matthews, Johnston, Tavares, Faxa, Capanen, Fraser Minton vont commencer. Cody Glass pourrait. Euh, on est deux. Fait qu'on pourrait monter un autre attaquant, un autre défenseur. On a. On a un défenseur de trop. Fait il faut monter un attaquant. Je pense qu'un Max Patchary en bas, ça ne vaut absolument rien. Je vais monter Patcherity en haut. Ça va être notre 13 e attaquant. Et euh, du côté de l'attaque, dans la Ligue américaine, est-ce qu'on en a assez de joueurs? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ouais, parfait. On a assez de joueurs pour l'équipe HL. C'est vraiment euh, défenseurs qu'on a besoin. Et gardien de but, Primo et Black sont en bas. Donc, 4 à 5 défenseurs pour l'équipe HL. Et on modifie les lignes. Donc, je modifie les lignes HL, les lignes HL. Et je vous montre le résultat final. On est au début de cette deuxième saison. Et voici les trios pour les Marlies. Easton Cowan. On va lui donner du temps de jeu pour qu'il puisse prouver sa valeur. On va jouer avec Lawrence et Cody Glass. C'est ce qui donnait le meilleur plus 2. Et pour le reste de l'attaque, c'est de la profondeur. Pas vraiment de prospect en bas pour l'attaque. Même chose pour la défensive. Gulaev est là et ça va être notre défenseur euh, numéro 1 à développer avec Addison. Euh, les deux joueurs jouent en power play. Les deux joueurs jouent en désavantage numériques. Et dans les flips Primo et Black. NHL. Il va commencer la saison comme partant et je vais aller enlever la rotation des gardiens automatiques pour ce qui est de l'égalité numérique. Donc voici les vraies lignes et nos joueurs ont monté en overall. Est-ce que c'est l'objectif qu'on avait fixé au coach en pré-saison et là ça a fait monter des gens en overall? Je pense que Matthews, Nice, Robertson, Tavares, Manjapani a pris un overall, Kapanen, Klimkastin, Harvey Pinard. Défensivement aussi le Riley et Harley ont pris un overall. 89 overall, Thomas Harley, tout ça pour Mitch Marner. Yoki Arju McCabe ont pris un overall. Nimela Minitien ont pris un overall. Ça, c'est good. Toujours Tanev sur le, le press box. Et gardien de but, Hildeby et Gibson. Pas de overall à ce niveau-là. Donc, je vais maintenant vous montrer le power play. Voici la première vague. Je veux vraiment donner du temps à Robertson. À 24 ans, je pense qu'il peut devenir encore meilleur. Et 3 ans, 2.3 millions. C'est un vol. C'est un vol. Deuxième power play. Je voulais donner du temps à Capanen. Mais, tu sais, Harley doit jouer en power play. Matthew Nice doit jouer en power play. Minton doit jouer en power play. Et Topi Nimella, c'est un joueur pour le power play. C'est un défenseur offensif. On n'a pas le choix de le faire jouer en avantage numérique. Par contre... Oliver Capanen joue sur le premier duo de désavantage numérique avec Andrew Manjapani. Donc, il y a quand même du temps de jeu pour Capanen. Si je vois que le power play fonctionne pas, Topi là s'en ira et on mettra Oliver Kapanen qui est capable qui est capable quand même de marquer des buts, on l'a vu en pré-saison et là maintenant règle, je veux enlever le fait que Blablabla, jouable ça c'est good. Rotation. Automatique des gardiens, c'est un non. Je vais gérer la rotation des gardiens et on est parti. Cibler jusqu'au prochain match et c'est les Panthers de la Floride et Pasternak à, son... Pasternak à son premier match de la saison avec les Blue Wings a marqué quatre points dans une victoire de dans une victoire de quatre à 1. Pasternak a touché... Oh my god! Ok, va falloir watcher notre ami David Pasternak. Match numéro 1 contre les Panthers de la Floride. C'est le premier match à l'extérieur et je sais pas qu'est-ce qui se passe. Je voulais pas, je voulais pas du tout aller dans, ce, dans cette vision. Là, je voulais simuler lentement le match. Et c'est parti, Panthers-Maple Leafs. Premier match de cette deuxième saison. Qui marquera le premier but des Leafs On y va en x8, on respire, on relaxe et on enjoy cette saison de restructuration. C'est le mot d'ordre. Et déjà en partant, Ile-de-Baye vole la première période. Est, est L'histoire d'Hill Dubai est assez, est assez incroyable. play pour les Leafs, ça va nulle part. 15-5, on se fait dominer. Les jeunes Leafs en ont plein leur bobette face à la très bonne équipe des Panthers. Les deux avantages numériques ne marquent pas. Autre power play pour les Leafs, on ne marque pas. Et on le sait, notre indiscipline, c'est ce qui nous faisait mal la plupart du temps. Et après deux périodes, les deux équipes sont au. Oh Fraser Milton, est-ce que c'est ça Je pense que c'est son tout premier dans la Ligue nationale. Bang et en plus, il donne les devants aux Maple Leafs tout juste avant que la deuxième se termine. 24-22 les lancers. Les Leafs ont vraiment rebondi en deuxième période. Power play pour les Panthers. Pas de but pour la Floride. Power play pour les Leafs. Pas de but non plus. Le désavantage numérique des deux équipes, il est solide. Oh, fallait bien que j'ouvre ma gueule. Sam Reinhardt marque sur le 31. Oh non, come on, come on. Faut stopper les power play aux autres équipes. Et on s'en va en prolongation 3 contre 3 pour ce premier match de la saison. Let's go On est en Floride et c'est 1 à 1, 34-28. Les deux gardiens ont joué incroyablement bien. Est-ce qu'on peut donner une victoire à notre gardien Dennis Hildeboy? Dégagement bien passé, c'est Matthews qui récupère. Il est enculé dans la rampe par... Ke oh non, Barkov, 2 contre 1, backcheck Matthews, backcheck Matthews Come on Non Kare Hildeboy! Eggbrad, Matthew Ketchup, quel arrêt Deux fois de suite, de Hildebar, 36 lancés. Il a fait 35 arrêts dans ce match-là. Contre-attaque, Neal vers Matthews. Et c'est autour des livres de se porter en attaque. Austin, Austin tente une fight. Austin tire, oh, bel arrêt de Brobovski. Et bonne tentative d'Austin Matthews. Je ne déteste pas ça. Je vais laisser Matthews et 2 sur la glace. Et je pense qu'à 2 minutes 48 de la prolongation, je vais en profiter. Pour demander le temps d'arrêt. Et les Leafs sont bien pleins d'énergie contre Vereggi Sam Reinhardt. Sam Reinhardt, le seul marqueur du match. Nylander. Matthews! Oh come on! Austin Matthews rate de beaucoup et ne va pas récupérer la rondelle. Force Link 2 contre 1. Ok, oh, l'arrêt d'El Duby. qui a raté son one-timer. Et c'est la contre-attaque ratée des Leafs. Sam Reinhardt fait une excellente pression sur Morgan Riley, mais là on peut partir. Matthews. Oh, quelle feinte! Quelle passe! Nealander est seul! La feinte! Le tir! Oh, ben arrête, Brabowski! Je ne sais même pas s'il y a eu un tir. Riley, Matthews, est pas sur son one-timer. Riley, Nealander, Matthews. Riley, tire! Belle arrête, Brabowski, qui redonne la rondelle. Attention, là. On va peut-être pouvoir profiter. Oh, good job. Oh non. Oh non. Reinhardt frappé, good. Force deux contre un, Non, Vragi, Il va falloir apporter des changements, là. Matthews tente une feinte, perd la rondelle. Et ça, c'est pas bon, là. Oh, revirement d'Austin Matthews, Egblad, quel arrêt encore, Riley, oh, Wyatt Johnston, le nouveau venu, Johnston, oh, pas la rondelle, mollement, mollement, Markov, Robertson, ça sort pas, Wyatt Johnston, la passe à Robertson, son tir est facilement bloqué par Brobrovski, il reste peu de temps, Riley, Robertson, Brobrovski encore une fois fait l'arrêt, oh, belle pression de Wyatt Johnston, mais je pense qu'on n'aura pas le temps d'un tir. Peut-être que les Panthers vont avoir le temps. Oh non! Oh non! Matthew Ketchuk, large! Non, 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 non! <laughs> Et ce premier match-là, pas de, pas de vainqueur en prolongation. On s'en va en tir de barrage. Et Austin Matthews c'est le premier. Il arrive avec vitesse. Matthews la fête, le tir. Arrête de Brobrovski. Ça avait de l'air facile. Barkov, premier tireur des Panthers. Devant Dennis Hildeby. Barkov. La feinte. Et le tir qui est stoppé facilement par le numéro 42. William Nylander. Deuxième tireur des Leafs. Ça mène. En ligne droite. Oh! Quel arrêt de Bromovski. Avec la mitaine Et un peu de moutarde ketchup relish. Matthew Ketchup. Ça va vite. J'ai pas le temps de vraiment de te commenter. La feinte. Le tir arrêt. Dennis Hildeby. Est en mode muraille. <laughs> Number 53, Wyatt Johnston, come on, come on Johnston, la feinte, il y a même pas, il a-tu essayé de la mettre 5 vols, il a-tu pas essayé de faire une feinte, Sam Reinhardt, le seul marqueur des, des euh, Panthers, Reinhardt tire, Hildeby est trop solide, Robertson, quatrième tireur des Leafs, Robertson, oh, bel arrêt de Brobovski, c'était une belle tentative pour Robertson, Viraghi, ça mène devant El Debye, qui n'a pas flanché à date. Il ne flanche pas sur une très belle fête de Virégui. Et Johnny Tavares, qu'on a finalement ramené avec les Leafs. T'as vu? vu? Come on. Come on. Aaron mcblad Contre-attaque. Contre-attaque. Échappé. Tire de barrage. Dans tous les cas, c'est bloqué par El Debye. Morgan Riley. Est-ce qu'on va être ici pendant 8 heures? Peut-être. Riley. La fête... Oh! C'était bien passé. mais Brobrovski dit non. Gustavo Forslingo. Et. Oh! Et Forsling donne la victoire aux Panthers. Mais on peut donner, j'espère, la première étoile du match à Hilda qui a été sensationnelle. J'ai pas envie de me taper toutes les, les cinématiques. Donc, moi, dans mon cœur, Hilda a la première étoile. Les Leafs l'échappent en prolongation, mais je pense que on n'a pas à reprocher beaucoup de joueurs dans ce match-là. <coughs> on peut s'en aller face aux Hurricanes de la Caroline qui ont blanchi l'équipe adverse à leur premier match et moi je laisse clairement Hill Dubai dans les filets. Donc on va avancer d'un jour et on va, aller, on va y aller comme ça dans le calendrier. Match contre les Hurricanes, une belle victoire de 5 à 2. Good job. Les Canadiens de Montréal qui sont 0-2 pour débuter la saison. On continue. Et c'est une défaite de 5 à 4. Pas de problème. Moi, je pense que Hildebai, je peux rouler avec deux défaites en terre. Je veux vraiment, vraiment lui donner la chance à Ildebay pour voir ce qu'il peut faire. Défaite de 4. Non! Fallait aller simuler ce match-là! Oh! J'ai pas réalisé que c'était contre Dallas! Une chance qu'on peut revenir dans. <laughs> une chance qu'on peut revenir. Mais Dallas a battu les Maple Leafs dans ce qui était potentiellement le retour de Marner... Ah, oh, c'est pas possible. Il a fini moins un, il a fini moins un pareil. Oh, <laughs> non. Mais on le sait qu'il est bon saison. On le sait que Monno est bon la saison. C'est en série qui s'efface. Gars! ga, 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 ga. Voulez-vous bien? Voulez-vous bien? Tu sais? Monno a fait 3 points, mais mes joueurs en ont fait deux accumulés ensemble. Ça le fait. Et là, je pense qu'on va donner une petite pause à de pour aller euh, faire jouer. John Gibson. Et pour l'instant ça ressemble à quoi les stats? Plus 2 pour la première ligne. C'est trop tôt, c'est trop tôt. On va laisser Gibson jouer des matchs. Il de adapte à date 9-14. Il perd des matchs. J'ai pas l'impression que c'est clairement de sa faute. On continue. Red Wings des Détroit. C'est une victoire de 5 à 3. On laisse Gibson dans les filets jusqu'à ce qu'il obtienne une défaite. Sam Carrick, non merci. Et c'est une vie... 7 en 1. OK, Gibson. OK, Gibson. Deux. Est-ce qu'on aurait choqué notre bon vieux chum, John Gibson? J'ai l'impression que oui. Jacob Ronan, non merci. Et j'en profite pour vous déplacer parce que j'ai l'impression que vous n'aviez pas toutes les stats. Excellent. On va y aller comme ça. Euh, Kutchenkoff, donc la Caroline, c'est quand même une bonne 4-4, f... pas si mal. En tout cas, nous, à date, ça va bien. Et après, on va simuler ce match-là. Puis après, ça, on va avoir un mois de fête environ et des fêtes de 2 à 1 face aux Hurricanes de la Caroline. Donc, Austin Matthews, 14 points. 9 points pour... 10 buts pour Matthews. 10 buts pour Austin Matthews. On est cinquième dans notre division, donc pas de panique sur le début de saison. Et on va aller redonner le filet à Dennis Hildebye. Donc, John Gibson, 935 d'efficacité. Il a été solide. Voyons voir ce que Hildebye peut faire avec le retour dans les filets. Contre les Bruins, c'est une défaite de 5 à 2. OK. Et face au Lightning de Tampa Bay. Jeu blanc pour Dennis Hildebye. Let's go! Il rebondit. Ça, ça prouve qu'il a un minimum de caractère, Denis Hildebye, avec un jeu blanc de 1-0 et une défaite de 4-1. On va retourner avec John Gibson face au Canadien de Montréal. Et c'est un match revanche. On, on peut regarder ce que ça donne. Donc, John Gibson de retour face au Canadien de Montréal. Et Gibson peut, peut très bien me forcer la main si il continue d'avoir d'excellentes performances comme ça. Et on peut rouler. En tandem avec Ildebay. Donc là, on est à deux défaites pour Ildebay. Une défaite pour Gibson avant de se faire retirer. On peut tomber à 2-2. Première période face au Canadien de Montréal, au Scotiabank Arena. Patrick. Patrick Liney. Que j'ai hâte que ça soit ça. Et Radek Faxa. Deuxième période. 1-1. On va aller pour une troisième période. Power play pour le Canadien de Montréal. Et c'est Thomas Harley en désavantage numérique qui s'ennuie de Marner. Pas moi Powerplay pour les Leafs en plus. Ça aurait été cool que tu. Matthew Nice, here we go. Une troisième période. Tout en bleu. Osko Shebanks Arena, 37 lancés. On a poivré Johansson et le Canadien de Montréal. Dennis, euh, pas Dennis il -de Thomas Harley avec un deuxième cette année. Et John Gibson a été splendide. Plus 4 pour Thomas Harley avec deux buts. Riley a assisté probablement les deux. Matthews a été bon friends. Yes, sir. Yes, sir, yes, sir, yes, sir, yes. Ça va bien pour les jeunes Leafs qui sont en restructuration. Et je trouve qu'on est. Moi, je ne m'attendais pas à ce qu'on soit en haut de 500. Clairement pas euh, à quoi je m'attendais. Rangers, très bonne équipe. C'est un bon test pour les Leafs. Et la première blessure a Yaki odio au combat face aux Rangers. Qu'est-ce qu'on peut faire comme ajustement au niveau des lignes Je pense que c'est l'heure pour Tanev de venir en renfort. Christopher Tanev, écoute, tu vas jouer. C'est un de nos meilleurs Il faut le faire jouer, mais je pense que avant de le faire jouer 6 aïe aïe aïe, à 1. Je pense qu'avant de le faire jouer Tanev. On va aller voir un peu qu'est-ce qu'il en pense de peut-être lever sa clause. <laughs> euh, OK. Et non! Il ne veut toujours pas lever sa clause même s'il si ne joue pas de match avec les Leafs. C'est correct. C'est qui, C'est lui qui voit. Gibson a subi la défaite de 6 à 1 face aux Rangers. Donc, Dennis Hildeby retrouve le filet face aux Pingouins. Let's go! Let's go, Dennis! On est dû pour une petite série de victoires. Là. Ah non! Pas bon ça! Islanders de New York, 8-1. Good job. Nashville, 2-2. Deux deux. On n'a pas peur. Good job. 4-3. Match revanche pour les Leafs. Robert Hag non. 8-7. Et les Penguins sont 7-7-2. C'est une équipe qui nous suit dans le classement. Et c'est une défaite de 4-2. Donc, John Gibson va affronter les puissants Canucks de Vancouver. Kennox de Vancouver, Maple Leafs de Toronto, 4-6 dans nos 10 derniers matchs. On va terminer la simulation de ce mois-ci. Et ensuite de ça, on va regarder les stats pour voir si on a besoin de faire quelques changements. C'est parti, Kennox. John Gibson de retour devant les filets. Grosse victoire face aux Knox et face aux Preds. On a de la misère à partir. On a de la misère à partir sur une série de victoires. Deux matchs de suite face à Utah. Je veux terminer ce mois-ci avec la rotation qu'on a. Donc, on retourne avec Dennis Hildebaye. Et si je vois que les deux ont des, ont des stats semblables, je vais peut-être y aller avec 2-2. Gibson, on va checker les stats après les deux matchs face à Utah. Dennis Hildebaye. Let's go, mon chum. Ça reste quand même juste un 82. Il a jamais été un partant. Donc, je peux comprendre. 3-1 face à Utah qui a une excellente début de saison. Et deuxième match face à Utah pour terminer ce mois-ci. Une autre défaite de 3-2, donc deux défaites de suite pour Dennis Hildebye. Prenons le temps d'aller voir les stats pour les Maple Leafs et les stats pour toute la Ligue nationale. 9-11-1 pour les Leafs. C'est plus là où je m'attendais à ce qu'on qu soit euh, toute la Ligue. On se situe. Les Oilers ont une excellente début, euh, un excellent début de saison. Et les Maple Leafs de Toronto, on se trouve, tu sais, Dallas n'est même pas dans le portrait des séries à date. Là. Dallas n'est pas dans le portrait des séries, mais les Maple Leafs de Toronto ne le sont pas non plus. Mais nous, on est en restructuration. 27e dans la Ligue nationale. Eux, c'est pas, pas l'idéal. Mais nos joueurs continuent de 18 buts en 21 matchs. Incroyable! Donc, Wyatt Johnston feed à merveille Austin Ma il fait un excellent travail. Il fait peut-être moins de points, mais il feed parfaitement Aston Matthews. Robertson joue très très bien. Neil Ender joue bien. Um, Riley, Matthew Nice, c'est peut-être ça qui ralentit encore notre premier trio. Um, 48 lancés, c'est pas beaucoup, mais est-ce qu'on serait peut-être pas mieux de booster le premier trio encore plus Est-ce qu'on serait peut-être pas mieux on peut, le on peut le tenter. On peut le tenter. Fraser Minton, 6 points. On peut, on peut classer par attaque. 6 points Minton en 21 matchs. Manjapani, Pani, Faxa, Oliver Kapanen moins 3. Mais il joue sur une quatrième ligne. Faut lui laisser le temps. Il est à 79 overall. Raphaël harvey Pinard a garder son 81. Klim Castin. Il a des grosses minutes en désavantage numérique. Et ça, on ne touchera pas à ça. Klim ne joue pas bien. Peut-être qu'on préfère de la place à Max pacherelli comme vétéran. Um, Riley joue bien, Thomas Riley joue bien. Ces deux seuls buts ont été dans les, Dans le match qu'on a regardé, mais plus 5, plus 10. Jake McKay, bof. Christophe. Christopher Tanev joue bien, mais depuis qu'il est arrivé dans la formation, l'équipe perd. Nimela, bof! Fait que tu sais, est-ce qu'on. Il est pas vraiment offensif. On, 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 peut, on, on peut mettre Capanen sur le power play, Mithian, bof. Donc peut-être. Kamini quand euh, quand Yaki va revenir, on pourrait faire de la place et laisser Christopher Tanev. Euh, Gibson, 9-20, Hildeby, 9-4. Je pense que c'est clair. Oui, on venait en mode restructuration, mais je pense qu'on peut quand même donner. Hildeby n'a pas encore joué une saison pleine. Ça, c'est avec l'équipe High Chill. L'an passé, il a été très très bon. C'est peut-être un peu plus difficile, mais 905, c'est pas mauvais. Faut regarder qu'il a, qui a joué jusqu'à présent dans la Ligue 29 matchs. Il est encore jeune. Mais je pense qu'on peut tomber à deux défaites pour chaque et non pas deux défaites pour le Dubai et deux défaites pour Gibson. Et pour ce qui est de l'équipe IHL, euh, Lawrence, Easton Cowan, moins 6, mais c'est pas grave. Lui, on va, on va rouler du temps en avantage numérique, en piqué et partout. Del Gazio est bon. Gulayev est correct. Qu'est-ce qui est toujours à 74. Donc, tu sais, Goulayev a monté un peu. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ok, parfait. Donc, je pense que je sais un petit peu où mon côté changement de trio. Et comme on est en mode test, j'ai envie de donner justement. Je pense que Neil Lando a assez payé. Et je pense que je suis prêt à donner un petit peu. De Nealander. Matthew Nice peut jouer à droite comme à gauche. Donc Tavares va coacher les deux jeunes. Robertson a perdu un overall. Ça se correct. Minton en a gagné un. Ça se correct. Donc il y a certains joueurs qui ont perdu le boost de pré-saison. Early Riley ont gardé. Tanev a perdu son boost. Et euh, Minneteen va descendre dans la High Chill. Où va être notre 13e défenseur? Tandis que euh, Yuki Aju et Tanev vont jouer. Je pense que Tanev prouve avec son plus 7 qu'il mérite encore d'être dans la Ligue nationale. Il de Out, il a deux défaites. John Gibson in, et c'est vrai. Je voulais aussi aller mettre Oliver Kapanen sur le power play. Je pense qu'il mérite d'avoir du temps en avantage numérique, tandis que euh, un gars comme Topi Nimella en deux mois n'a pas prouvé. Il n'a pas prouvé qu'il était capable de jouer ou d'aider le power play. C'est pas nécessairement une tape sur les doigts de Topi Nimella. C'est plus. Une tentative d'activer puis de récompenser Oliver Kapanen pour le maigre temps de jeu qu'on lui donne. Et Max Pacioretty à la place de Clint Costin pour peut-être aider euh, Kapanen offensivement. Bon, on est reparti. John Gibson est de retour dans les filets et on roule à deux défaites pour John. Même chose pour Dennis Hildeby. Buffalo, défaite de 4 à 2. Et les Penguins de Pittsburgh, victoire en prolongation. Ok, on n'est pas, pas encore out. Du portrait en série, on n'est pas encore out. C'est d'ottawa qui sont en bas de nous. Une défaite en prolongation. On va retourner avec Denis Hildeby. J'ai l'impression qu'on tranquillement, en hein, tranquillement, on s'en va vers le bas. 18 buts pour Mathieu, je veux voir le 19 buts. On a joué deux matchs. Parce que si ça fonctionne pas, ce premier trio là. Avec Nealander, je ne vais pas pousser les choses. Je ne vais pas pousser. Donc 6-14 plus 3 plus 5 plus 5-2-19. On laisse, on laisse, on essaye, on essaie. On, on a joué seulement deux matchs. L'échantillon est extrêmement mince. Les Blues qui sont un petit peu en avant. c'est un match assez important. Et Henry Yokihad Diu est disponible pour revenir. Donc on va donner un vétéran à Topinimella. Bang. Et on va remettre Yoki Hajo avec McCabe parce que c'est ce qui fonctionnait. C'est ce qui fonctionnait en ce début de saison. Et face aux Browns, c'est une défaite pour Dennis Hildeby. Une défaite qui fait mal. Tempo B 11-11-4. C'est un match important dans notre division. Et c'est une grosse victoire de 2 à 1 de Dennis Hildebaye qui en a gagné encore une fois une solide. Sharks de San n'osé pas une bonne équipe. faut profiter de ces matchs-là. Et c'est une grosse victoire de 7 à 3. Good job! pas. On peut les devancer, je pense, au classement avec une victoire. C'est une défaite. Et le prochain match, John Gibson affronte Dallas. C'est le retour de Harley et Wyatt Johnston à Dallas. Et Mitch Marner rejoue encore contre son équipe. La dernière fois que Marner a joué contre les Maple Leafs. Il est allé chercher trois points. Harley et Johnston avaient été chercher une passe. C'est le retour de Johnston à Dallas. Et de Thomas Harley. Et de Radic Faxa. Bref. Une grosse soirée en perspective pour les trois joueurs. Première période. Bang Maljapani et Enrico Koyoki Ko 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 Deuxième période. Bang Robert. Non Come on Es-tu obligé de marquer à chaque liste de game pas grave, l'important c'est de gagner. Robertson avec un deuxième powerplay pour Dallas. Marner est déchaîné quand il joue contre les Leafs. Déchaîné. Matthews en powerplay. Pas besoin de Mitch Marner pour marquer. Pas besoin de Mitch Marner pour marquer. Et voilà. C'est ça que ça fait avoir une équipe qui veut jouer et une équipe avec du caractère et une équipe profonde. Oui, Marner marque un but. Mais son équipe se fait dévisser 5 à 1. Yes! Yes! Tu le Marner, la dernière game, 3 points moins 1. Là, 1 but moins 2. Il ne fait pas la job. Il ne fait pas la job. Matthew Nice plus 3. Good job. Good job. Harley, plus 2. Wyatt Johnston plus 1. Tu sais? Tu sais? On a gagné la trade haut la main. On a ces deux joueurs-là qui contribuent autant qu'un Marner. Et. On a un éclone en bas. Et <laughs> on a deux choix de première ronde. Et Dallas, pour l'instant, je ne sais pas c'est quoi son classement. On peut, on peut aller voir. Pour l'instant, les septièmes. Et regardez là, On a deux points de différence avec les sabres qui sont troisièmes. Notre division est un peu plus faible qu'à l'habitude. Donc, est pas, on n'est pas mort. On n'est vraiment pas mort. Et du côté de Dallas, je veux juste voir le classement. Du côté de Dallas, 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 Dallas. Les Stars ont 34 points. Donc, les Stars risquent de faire les séries, honnêtement. Donc, leur premier choix ne sera pas aussi impressionnant que ce que j'aurais peut-être aimé. Mais, ça ne veut, ça, ça veut rien On peut quand même avoir un bon joueur. Et ça fait juste, juste Johnson et Hurley. Je trouve qu'on est gagnant. Mais bon. OK, Kings. Toujours Gibson dans les filets. Est-ce qu'on peut se ramener à 500? Oui, monsieur. John Gibson. Deux derniers matchs. Deux buts. D'accorder au total Une autre victoire Ok John Ok John Gibson Nous pousse une série de victoires et ça c'est bon là. John Gibson Nous pousse une série de victoires Et ça c'est bon Ottawa Match important Équipe de notre division On est allé chercher un point Je garde Gibson Gibson est en forme Le Canadien L'est pas du tout <laughs> Défaite Gibson joue bien Gibson joue bien Je rock Gibson Il nous donne des points à chaque match Non Ok je l'ai peut-être poussé je l'ai peut-être poussé un peu. On va retourner avec Dennis Hildeby face aux Flyers. Équipe qu'on vient de subir la défaite. Premier trio, plus 8. Ouais. Ouais, ça apparaît. Ça, ça, ça paraît Nylander. Ça paraît Nilender. Matthew Nyes, moins 1, mais ça paraît sur le deuxième trio aussi. C'est pas grave. On y va comme ça. On y va exactement comme ça. Patrick, moins 3. Kapanen, moins 5. Je pense que ça allait mieux avec Clem Kastin. On va y aller avec Clem Kastin, ça allait mieux. Défensivement, ça, je ne touche pas. Ça, je ne touche pas. Topi Nimella, plus 10 avec Tanev, ça fait... OK, plus 10, puis Topi Nimella, moins 6, OK. C'est pas grave, on garde les jeunes. Et John Gibson va laisser sa place à Ildebay. 9-13 pour Gibson et 9-7. Ce c'est pas nécessairement nos gardiens le problème. J'ai peut-être l'impression qu'on laisse trop de lancers au filet. On est 23e pour les buts pour. C'est ça, on donne, on, donne, on donne trop de buts, mais nos gardiens ont quand même un bon pourcentage d'efficacité. 5 pour les buts. Non! Ok, c'est ça! C'est ça l'affaire! On est bon défense! On marque pas de but! On est 23e pour les buts marqués, c'est pas assez! C'est pas assez! Mais gars! Notre désavantage numérique est dégueulasse! On, est le pire. on a le pire désavantage, mais on fait jouer les jeunes et ça. C'est ce qui importe Flyers Est-ce que c'est la revanche? Non, les Flyers nous donnent deux défaites de suite Et ça, ça fait mal Devils du New Jersey Good, grosse victoire de 4-1 Les Oilers d'Edmonton Quelle équipe incroyable 29-6-4 Dries les et David sont terribles Première période Aïe, 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 aïe David Evan Kane et Raphaël Harvey Pinard. Deuxième période 3-3. Wyatt Johnston et Austin Matthews. Est-ce qu'on est qu peut causer la surprise aux Scotia Banks Ils sont pas invincibles, les Ils sont durs à battre, mais ils ne sont pas invincibles. Oh non, ça c'est Cave. Yes, good job, penalty kill, power play. 5 contre 3 en plus, power play. On a le pire des avantages numériques, mais aujourd'hui, ce soir, ça va bien. Wyatt Double Johnston. Bang. Et les Maple Leafs vont voler un match aux Oilers d'Edmonton. La meilleure équipe de la Ligue nationale. Let's go, les Young Leafs! Good job, Ildebaï. Good job, Ildebaï. Deux victoires de suite. Pourquoi pas une série de victoires pour Denis Ildebaï? Pourquoi pas? Face au sort de Buffalo. Fuck! Ah! <laughs> oh, à chaque fois que j'essaie de hype, à chaque fois que j'essaie de hype mes gardiens, on dirait que ça... On dirait que ça veut pas. On ça dirait que ça fonctionne pas, là. in out. John Gibson in. Son pourcentage d'efficacité a pas bougé. C'est pas une mauvaise chose. Islanders de New York. Défait de 4 à 3. Et Red Wings de Détroit. Je veux pas ce gars-là. Red Wings, victoire. Good job. Good job. Les Dogs de La reconstruction est terminée à Nîmes. Wow. Good job, victoire de 3 à 2. C'est Levi avec les Ducks, là. évidemment. Évidemment, Levi qui s'y plaît. Marc-André Fleury, toujours avec le Wild. Et no... deux jeux là suite dans cette séquence pour John Gibson. Qui, encore une fois, Gibson pousse une série de victoires pour les Leafs. Good job! En plus, on a une séquence un peu facile. Là. Sharks, c'est pas bon. Flames, c'est pas bon. Faut aller chercher des victoires face à ces équipes-là. Faut absolument y aller. Good job, Kraken. C'est une bonne équipe. On est dans toute qu une série de victoires. Et c'est au très bon moment pour swinguer des victoires à gauche, à droite, à haut, à bas. Et merci, John Gibson. Ça n'enlève rien à Denis et Mais on Mais oui, on est en restructuration, mais on veut quand même gagner des matchs. Islanders de New York. 21-21-5. On peut les engloutir. Grosse victoire. Kings de Los Angeles. Pas mal la même fiche. Kelly Leafs. Good job, John Gibson. Come on. Quelle séquence victorieuse. Et là, on s'est mis à marquer des buts. Et on s'est mis à en accorder beaucoup moins. Oh my god. On continue. On continue. John Gibson est en feu. Vegas. C'est une bonne formation, Vegas, comme d'habitude. Une autre victoire, 3-2. Les Blues de Saint-Louis qui en arrachent cette saison. Faut en profiter face à ces équipes-là. Blues, Toronto, faut en profiter. Victoire de 6-1. John Gibson est tout simplement on fire. Tempo B, une équipe contre qui on va se battre pour une place en série. C'est une autre victoire. 6-5. à 5. Washington, pas la meilleure des saisons pour Washington. C'est une autre victoire Panthers. Une autre victoire. Comment? On! Colorado, on continue. On continue. Une autre victoire en prolongation Blackhawks. Let's go. On continue. Qui va arrêter? Qui va arrêter les Leafs? Ah, oh, Connor le et les Blackhawks de Chicago. Quel Séquence spectaculaire! Incroyable! Combien de victoires on a fait de suite? On a gagné contre les Red Wings, donc, une victoire. Fait que dans 1, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12, c'est ça. 13, 14, 15. 15 victoires de suite pour vos Maple Leafs. Et ça nous a propulsé. Ah, seulement au quatrième. Mais. Au quatrième rang, mais. On a trois matchs. Deux matchs en main. Trois matchs. Trois matchs en main sur le Lightning. Et on a cinq points d'avance. Donc honnêtement, cette série de victoires-là nous a fait du bien. Et si on était dans l'autre division, on serait au deuxième rang de cette division-là. Donc, pour vrai, elle nous a fait du bien. Et la date limite des transactions se trouve à être, pop, 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 se trouve à être bientôt, ce qui veut dire dans une, deux semaines. Donc, on va faire le tour des stats et on va se faire un plan de match pour la date limite des transactions parce que, parce qu'honnêtement, Là, avec cette série de victoires-là a peut-être changé les choses complètement. Dans toute la Ligue nationale, on est passé 4. Les Oilers d'Edmonton, 91 points. C'est donc bien dégueulasse. Ça n'a pas de bon sens. McDavid et Dressidles, c'est cave. Donc, Dallas et les Maple Leafs sont au coude à coude. On est 10e et on est dans wildcard. C'est ridicule. Notre division est, est trop forte. Mais on a 3 matchs en main sur Dallas. Donc, je considère qu'on est une meilleure équipe que les Stars de Dallas. Good job, euh, les stats Austin Matthews, je suis convaincu que dans la série de victoires Il a été incroyable Et c'est tout à fait vrai 44 buts en 55 matchs Lui il va battre le record assurément D'Ovechkin et de Gretzky Je suis même pas inquiet 73 points Wyatt Johnston, le premier trio je pense qu'on a Honnêtement On a trouvé la façon de simuler Avec ces joueurs-là Neilander, Wyatt Johnston Et Austin Matthews Clairement, ces trois gars-là méritent de jouer ensemble. Plus 23, plus 25, plus 25. Robertson, c'est sûr que la deuxième ligne est peut-être un peu faible, euh, mais ça reste quand même dans le positif. Robertson, 44 points en 55 matchs, c'est super bon. Tavares, un vétéran qui est toujours aussi bon. 17 buts, 32 points en 55 matchs. Matthew Nice, c'est pas quelqu'un qui fait des points. Je me rends compte, c'est oui 60 points, mais c'est pas quelqu'un qui va piler les stats. Ça va être un gars super bon en avant Non, même pas tant. C'est quel genre de joueur, Matthew Nice. Nah, il joue où, lui? Madjapani, Pani, ça, le troisième trio qui va relativement bien. Le quatrième, c'est compliqué un petit peu. Je pense qu'à la date limite des transactions, c'est peut-être là qu'il faudra essayer d'aider Oliver Kapanen, que je veux garder comme centre de quatrième. Je veux que ce soit notre, notre prochain Manny Malotra nommé. Mais Pinard et Klim Kostin, ça ne fait pas le travail. Euh, et défensivement, Morgan Raleigh, 43 en 55. Euh, Thomas Harley, 33 en 55. Mais lui, c'est un joueur. Il y a gagné un X-Factors en plus. 20, plus 23, c'est le meilleur défenseur dans le différentiel. McCabe s'est relevé, il joue bien. Topi Nimella, 10 points en 55 matchs. Let's go. Yoki Arju, Chris Taté. Oui, on a peut-être manqué un peu de respect sur Tanev, mais depuis qu'il est arrivé dans la formation, ça va mieux. Et dans les filets, je ne sais pas comment. Tu je, je veux bien donner des matchs à Hildeby, mais Gibson a pop-off. Gibson, il a explosé. 9-21, 24 victoires, 7 défaites. Aïe, 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 On va continuer de rouler 2-2 parce que je veux pas give up sur Hildeby. Mais aïe 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 aïe. Ok, parfait. Et côté high chill, Lawrence joue bien. Cody Glass, Easton Cowan, toujours pas monté d'overall. Il n'y a pas une grosse saison, mais quand même, c'est pas si mal. Goulaev a quand même une bonne saison. 76 overall. Il est parti à 73. Mikhail Goulayev s'en vient, les boys. Mikhail Goulaev s'en vient. Primo est incroyable, évidemment. Black ne joue pas beaucoup parce que la rotation des gardiens s'effectue des deux côtés. Donc, et les Marlies vont très très bien pour l'équipe High chill Et là, je veux avant la date limite des transactions qu'on se fasse un plan de match. Et ça, ça veut dire de passer au travers de toutes les équipes et de regarder qu'est-ce qui est disponible pour les transactions. Et, et, et patati et patata. Gardien de le but. Levi avec les Ducks a accepté une. On se rappelle que j'ai offert 6 millions. 6 millions un an à Devin Levi et il a refusé pour signer avec les Docks. Il voulait, il voulait un, 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 un marché. Et regardez. Ah, oh, Steve, c'est bien. Oh là là, là 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 Ok, pas gaffe. Um, gardien, on n'en a pas besoin. Marché des patineurs. Donc, voilà les joueurs qu'on pourrait potentiellement aller chercher. Moi, je ne me vois pas faire des trades à la Troy Terry, Ryan Strong, mais je me vois peut-être faire des trades à la Robbie Fabry, par exemple pas lui, mais c'est un gars qui nous coûtera pas cher euh, parce que on va se donner une idée de ce qu'on peut échanger avant de regarder ce que les équipes ont à offrir. Gardien de but, Gibson. Moi, j'y touche pas parce que Gibson... <laughs> Gabriel Degle! Wow! Oh, quelle saison il connaît avec Victo! Oh, let's go, Gabi Degle. 79 quelle décision de ne pas l'avoir signé? Ben là, ça change. Est-ce que Gibson... Ben là, Gibson au draft. John Gibson au draft. Il de bye et... Éga... Où ou Il de Ciao. On gars on, on traversera le pont lorsqu'on sera rendu là. OK, parfait. Gabriel Daigle. On peut lui donner aussi une saison. Mais c'est parce que l'an prochain, il va encore jouer junior. C'est ça qui arrive. OK, parfait. C'est un, une bonne veste. C'est un beau problème. Mais bref, on a, a peut-être Bouzek... Qu'on peut échanger. Défensivement, Riley, évidemment. Uh, Riley ne touche pas. McCabe, j'ai pas tant en envie. Yoki je n'ai pas tant en envie. Traitor Wait est à 80 overall. <laughs> <laughs> Traitor Wait, clairement, il va jouer l'an prochain. Et c'est un dé C'est un défenseur polyvalent. Il a 45 points. Ah, oh, il est fort. Ah, oh, il est fort. Charlie Traiterway va jouer l'an prochain. Va probablement prendre la place de, de, de Yoki Haijo. Donc, Yoki au draft. Ça va être Charles Cote. Des choix au de repêchage. Nimela, 80 overall. Donc j'ai envie de le garder, de voir ce qu'il peut donner. Euh, on peut peut-être échanger Mini Tien. C'est un joueur qui pourrait faire partie d'une trade. Goulaev, je touche pas. À droite, Neil j'y je n'y touche pas. Devanberg, je touche pas. je j'y touche. pas. en même temps, je touche pas. On n'a rien. Mooney, 72 overall. Quel genre de saison? 29 en 43. Oh! Oh! C'est pas. Oh! C'est pas bon, là. LG Mooney a pas une bonne saison. Du tout, du tout, du tout, là. Ok, LG Mooney, je pense qu'on va le signer l'an prochain puis le faire jouer high chill. Il se développe pas bien. Où est-ce qu'il est? Robertson bouge pas. Nice bouge pas. Pani bouge pas. Clint Castin pourrait l'échanger. Pinard, j'aimerais le garder. Eklund. Qu'est-ce qu'il fait, Eklund? Ça va bien. Dans une, dans une ligue très forte, ça va bien. Ça va bien pour Eklund. Je pense qu'il va jouer High l'an prochain. Donc, tu sais, l'année prochain, prochaine, le trio, ça va être Eklund avec Mooney et un centre X qu'on découvrira à ce moment-là. Matthews reste, Wyatt reste, Tavares reste, Faxer reste, Minton reste, euh, Lawrence Quinlan, ça, ça peut partir. Euh, Easton Cowan reste. Et côté choix repêchage. On a le premier des livres, le premier de Dallas, un 3, un 5. L'an prochain, même chose. OK, notre, notre restructuration va à merveille. Donc, on n'a pas énormément de valeur. Fait que c'est sûr qu'on peut aller peut-être se chercher un joueur pour le quatrième trio, mais même là. Mais même là. Tu sais, pour remplacer Klim Castin. ou s'il y a vraiment un bon jeune qui a de l'air hyper intéressant après. Tu sais, un Backlund. Un Michael Backlund pourrait être parfait à la place de Klim Kostin. Il reste un an, donc ça ne nous coûte pas trop cher. À date, Mikkel Backlund m'intéresse énormément, mais je vais avoir quand même votre avis dans les, dans les commentaires pour voir qu'est-ce qu'on fait. Euh, Kurally, Patrick Kane, je veux back, backlund avant. Euh, la chance, non. Non. Pinelli, non. Non. Personne là. Matheson, Max Domi. Il fait quoi, Domi, avec le Canadien de Montréal? 21. <laughs> il pue! Oh, Max Domi, il pue! Euh, Nashville. Klinks! Oh, wow, wow, wow. Kling. Oh, non. C'est un attaquant polyvalent qui n'a pas des bonnes stats défensives. Non. Défenseur top 4. Mortka. Mart, Pourrait être intéressant, mais qu'est-ce qu'on trade? C'est ça, c'est plus une trade de draft. Euh, non. Islanders. Non. 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 Flyers, non. Non. Sharks, non. Vince Dunn, non. Saint-Louis, non. Tampa, non. Hockey Club, non. Vancouver, non. Mec, non. Washington, Strom. Wilson, Henrik, Milano. J'aime mieux Backlund. J'adore Backlund, la trade. Et Porter, à Winnipeg, l'attaquant. C'est ça, c'est ça, c'est intéressant. Killen Porter, ça, ça, peut être intéressant. Mais encore là, c'est une trade de draft. Donc voilà, il n'y a pas mal juste back. Là. Donc, tout est rien dans les commentaires. Je, je, ça a tellement bien fini. Je suis tellement hype de cette winning streak de 15 matchs. On est en restructuration avec une équipe qui gagne. J'adore comment on commence à bâtir ces Maple Leafs de Toronto. Je suis convaincu qu'on va pouvoir faire des dommages dans les prochaines années, si ce n'est pas cette année. J'espère que vous avez apprécié. Commentez. Prochain épisode, on finit la saison. On va peut-être aller à l'intérieur de match, prendre un peu plus de temps pour regarder les joueurs jouer en ice. Bonne continuation, à la prochaine. Ciao, bye.